tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Petit ours brun, Comptine et Devinette pour s'endormir en douceur. Ça y est, j'ai dit bonne nuit à papa, bonne nuit à maman. J'ai eu des bisous, des câlins et tout et tout. Bon, il me reste plus qu'à me souhaiter bonne nuit à moi. Bonne nuit, petite main. Merci, t'as bien travaillé. Bonne nuit, petit pied. Merci, t'as bien marché. Bonne nuit, petit ventre. Ça va, t'as bien mangé? Bonne nuit, petit dos. C'est le moment de t'étirer. Bonne nuit, petits yeux. Allez, il faut se fermer sans tricher. Bonne nuit, tout le monde. Les amis que je connais et ceux que je connais pas encore. Bonne nuit, monsieur le jour. Et bienvenue, madame la nuit. Chut, il faut pas le réveiller. Mais si tu veux jouer aux devinettes, on peut le faire tous les deux. Mais attention, pas trop de bruit. Alors, tu regardes bien les images et quand tu as deviné, tu montres la bonne image avec ton doigt. D'accord ? On y va. Elle sait faire de la lumière. Clic, on l'allume, elle éclaire. Clac, on l'endort, elle s'éteint. Qu'est-ce que c'est ? Oui, bravo, c'est la lampe. Parfois, il se cache pour ne pas se coucher. On le cherche partout. Et quand on l'a retrouvé, on l'étouffe de baisers. Qui est-ce ? Oui, bien sûr, c'est le doudou. On est bien embêté quand on ne le trouve pas au moment du coucher. Tous les matins, il fait le beau en chantant son cocorico. Qui est-ce ? Oui, c'est le coq. Mais ce n'est pas le moment qu'il chante, sinon il va réveiller Petit Ours Brun. Il y a la petite et la grande. Elles tournent en rond toutes les deux pour donner l'heure aux curieux. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'était pas facile, celle-là, dites donc. C'est les aiguilles du réveil. Comme de tout petits soleils, on les voit parfois la nuit briller partout dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tu as trouvé, ce sont les étoiles. On la réclame à grands cris. C'est à voix basse qu'on nous la lit. On dit encore dès qu'elle est finie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire du soir. Eh oui, tu ne réclames pas d'histoire, toi, le soir ? Bon, j'en connais un qui dort bien. Et toi, tu vas pas te coucher ? Et à demain peut-être. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, Petit Ours Brun. Petit Ours Brun, Comptine et Devinette pour se lever de bonne humeur. Moi, pour me réveiller, je prends mon temps. Je me réveille tout doucement. Avant de me lever, je bâille. Je tire mes doigts en éventail. J'ouvre en grand les deux rideaux que j'ai fermés pour le dodo. Je me frotte la tête à deux mains comme si je faisais un shampoing. Je ne laisse personne endormi. Ni le gros doigt de pied, ni les petits. Je pose mes deux pieds par terre. Et puis, je lève mon derrière. Je tire les jambes. Je tire les bras. Bien raide, comme un géant de bois. Et voilà, quand je me prends par la douceur, je me réveille de bonne humeur. Ah, voilà une journée qui s'annonce bien. Oui, oui. Ça y est, le corps est réveillé. Et si on réveillait la tête avec six petites devinettes ? Ça vous dit ? Allez, on y va.
Alors, tu regardes bien les images et quand tu as deviné, tu montres la bonne image avec ton doigt, d'accord? On passe souvent la nuit, la tête posée sur lui, mais le matin, on l'oublie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'oreiller, oui, bien sûr! Elle a la forme d'un croissant. On la voit en s'endormant. Qui est-ce? Celle-là était plus difficile. Mais oui, bravo, c'est la lune! On l'enfile le soir, on le quitte au matin. Quand il est doux, on l'aime bien. Le pyjama, c'est le pyjama! J'en ai un tout doux, c'est mon préféré! Elle a plein de poils sur la tête et on frotte nos dents avec. Qu'est-ce que c'est? C'est la brosse à dents! Oui, bravo! On l'aime vraiment comme il est. Même un peu sale, même tout mou. Il dort toujours avec nous. Qui est-ce? Le doudou! Le doudou! C'est mon doudou à moi! Eh oui, c'est le doudou! Quand on ouvre ses volets, elle nous donne des nouvelles du temps. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau? Eh oui! C'est la fenêtre qui a des volets. Et c'est la fenêtre qui nous raconte le temps qu'il fait. Eh bien voilà! Ça y est! Tout le monde est bien réveillé? Oui! 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 Alors, passez une bonne journée! Et à bientôt! Voilà quelqu'un, petit ours brun. Petit ours brun, Comptine et Devinette pour bien se brosser les dents. Coucou, c'est moi le laveur de dents. Je mouille ma brosse à poils blancs, la brosse à faire briller les dents. Quick, j'étrangle le dentifrice. Quick, je l'étale sur les poils. Et je frotte mes dents de devant. Ça fait de la mousse à dents. Je frotte bien de bas en haut. Du blanc au rose, du rose au blanc. J'oublie pas les dents du fond. Sinon, c'est les caries qui iront. Pleine d'eau, mes grosses joues. Et maintenant, un petit jet d'eau pour nettoyer le lavabo. C'est moi le laveur de dents. Celui qui sourit proprement. Alors, elles sont pas belles, mes dents? Oh, si! Ça, c'est des belles dents. Bon, avant de se coucher, vous voulez jouer aux devinettes? Oh oui, oui, oui! Alors, tu regardes bien les images. Et quand tu as deviné, tu montres la bonne image avec ton doigt. D'accord? On y va. Qui est froide à toucher, mais trop rigolote à lancer? La boule de neige! Oui, tu as deviné. Sur le ciel bleu, ils sont tout blancs. Ils font la course avec le vent et font pluie-pluie de temps en temps. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, ce sont les nuages. Ils font pluie-pluie, c'est rigolo. Il a un toit rond, mais c'est une maison. Il est tout froid, il est tout blanc, et pourtant il fait bon dedans. Qu'est-ce que c'est? Je sais, je sais! Mais je connais pas le nom. Oui, c'est ça mon grand, ça s'appelle un igloo. Quand on a envie de dessiner, on est trop content d'en trouver. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la feuille de papier. On le boit chaud ou froid. On en fait du fromage parfois. Qu'est-ce que c'est? C'est le lait. Ah oui! C'est avec le lait qu'on fait le fromage? Eh oui, le lait de la vache ou le lait de la chèvre ou de la brebis.
On la remplit d'eau tiède, on se glisse dedans et on joue tout en se lavant. Qu'est-ce que c'est? La baignoire! C'est la baignoire! T'as vu, j'ai tout trouvé! Oui, c'est très bien, mon grand. Et tu ne remarques rien sur les images? Non. Quoi? Tous les objets que tu as devinés sont blancs. C'est rigolo, non? Ah oui! Bon, allez, au lit tout le monde! À demain! Voilà quelqu'un, petit ours brun. Petit ours brun, Comptine et Devinette pour apprendre à mettre ses gants. Ouh, il fait un froid de canard aujourd'hui. Et moi, j'aime pas avoir froid aux doigts. Heureusement, j'ai mes gants. C'est pas facile à enfiler, mais j'y arrive en m'appliquant. Tu veux voir? Voilà mes gants, voilà mes mains. Ils vont ensemble, ça se voit bien. Je glisse une main dans un gant. J'écarte les doigts légèrement. Allez, allez les petits trains! Dans les tunnels, un par un! Oh zut, mon pouce est tout coincé! Mon gant est pas du bon côté! Pouce, ne bouge pas, je tourne mon gant. Maintenant, tu peux rentrer dedans. Mon autre main fait tout pareil, mais cette fois-ci, je la surveille. Pour être sûr de ne pas se tromper, on pose les gants avec les pouces à l'intérieur. Pour voir si les gants sont du bon côté, je pose mes mains. Oh, copier-coller! T'as vu? C'est facile! Alors, il y a quelqu'un qui veut jouer aux devinettes par ici? Moi, moi, moi! Toi aussi, tu as envie de jouer? Bon alors, c'est parti! Alors, tu regardes bien les images et quand tu as deviné, tu montres la bonne image avec ton doigt. D'accord? Elle tombe en tourbillonnant et recouvre la terre d'un manteau tout blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est la neige! J'ai trouvé! Il crépite dans la cheminée. Il ne faut pas trop s'approcher, sinon, ouïouïouï, ça va chauffer. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le feu, bravo! En été, on l'aime bien. On la lèche en tournant bien. Il y en a à tous les parfums. Qu'est-ce que c'est? C'est la glace, bien sûr! Moi, ma glace préférée, c'est la glace à la fraise. J'adore la glace à la fraise. Quand on a froid, on est bien content d'en boire un bon bol bien fumant. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la soupe. Ou le potage, ça dépend. Chez nous, on dit la soupe. Berk, berk, berk. Bah, pourquoi tu dis ça? T'aimes bien la soupe d'habitude? Oui, mais je préfère la glace. Pour glisser, on en met un à chaque pied. Ils ont le bout du nez tout rebiqué. Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo, ce sont les skis. Quand il se lève, il fait jour. Quand il se couche, il fait nuit. Il est tout en haut à midi. Qui est-ce? Bah, le soleil, évidemment. C'est la dernière image, c'est trop facile. Bravo, vous avez tout trouvé. Ouais, on est fort, hein? Bon, on se retrouve bientôt. À bientôt! Voilà quelqu'un, petit ours brun. Petit ours brun, Comptine et Devinette pour apprendre à faire un nœud. Ça y est, je sais faire un nœud. C'est pas facile pourtant. Tu veux que je te montre? Va chercher un mouchoir, je t'attends. Ça y est, t'es prêt? Alors, c'est parti pour un tour de magie. Allez, on sort notre mouchoir. On l'attrape par ses deux coins. On le tient bien à deux mains. On forme un rond à
avec deux oreilles de lapin. On passe une oreille par le trou. Et vite, on la rattrape par derrière. Et crac, il n'y a plus qu'à lui serrer le kiki. Ça y est, toi aussi t'as réussi. Sinon, c'est pas grave. Reviens demain, je te remontrerai. Bravo, mon grand, c'est formidable. Tu veux jouer un peu aux devinettes maintenant? Ah oui, des devinettes! Des devinettes! Des devinettes! Des devinettes! Ça vient, ça vient! Vous regardez bien les images et quand vous avez deviné, vous montrez la bonne image avec votre doigt. D'accord? On y va! Quand les grands vont à l'école, ils le portent sur leur dos. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le cartable, bravo! Il ressemble à un crayon, mais avec des poils au bout, qui sont tout doux. Qu'est-ce que c'est? On le trempe dans la peinture? Oui, on le trempe dans la peinture. Alors c'est le pinceau! Oui, bravo! On dirait des billes à la queue-leu-leu, sauf qu'il y a un fil qui passe au milieu. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont les perles. On le met parfois dans les cheveux. On fait avec des beaux nœuds. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais si, regarde là, on dirait un peu un serpent. Ah, le ruban! On nous l'offre pour nous faire plaisir. On est très pressé de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau! Le cadeau! Oui, c'est le cadeau, bien sûr. On aime bien les faire danser pour découper du papier. Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo, ce sont les ciseaux. Eh bien voilà, vous avez tout trouvé. Bravo! Maintenant, on se quitte. À bientôt! Oh oui, à bientôt! Voilà quelqu'un, petit ours brun. Petit ours brun, Comptine et Devinette pour apprendre à se moucher. Bonjour, ça va toi? Bon, aujourd'hui je suis enrhumée. Heureusement, maman m'a donné un paquet de mouchoirs. Parce que maintenant je sais moucher comme un grand. Si toi aussi t'as le nez qui coule, va chercher un mouchoir, je t'attends. Ça y est, t'es prêt? Cache ton nez dans ton mouchoir. Plus personne ne doit le voir. De chaque côté, tu mets une main. Tu pinces pas, mais tu serres bien. Tu souffles fort pour déboucher un seul tunnel d'un seul côté. Tu lâches pas ton petit mouchoir, hein, tu le tiens comme un entonnoir. Quand un tunnel est débouché, tu fais pareil de l'autre côté. T'enfermes bien tout dans le mouchoir, sans en faire toute une histoire. Et voilà, il n'y a plus rien dans ton nez. Tu vas même pouvoir respirer. Ça va, les petits enrhumés? Pas trop fatigués pour jouer aux devinettes? Non, non, on joue! Bon alors, vous regardez bien les images et quand vous avez deviné, vous montrez la bonne image avec votre doigt. D'accord? D'accord! On va le voir quand on est malade. Son métier, c'est de nous guérir. Et parfois, en plus, il nous fait rire. Qui est-ce? Le docteur! C'est le docteur! Moi, mon docteur, il est très rigolo! Oui, petit ours, je sais. Tu me raconteras tout à l'heure. Là, on va continuer les devinettes. Qui a un bon goût tout doux et arrive à soigner la toux? Oui, très bien, c'est le sirop. Quand on se fait un bobo, on le colle sur la peau. Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo, c'est le pansement. Elle fait un peu peur. Aïe, aïe, aïe.
Mais en vrai, elle ne fait pas si mal. Qu'est-ce que c'est ? La piqûre, c'est la piqûre ! Oui, presque. On fait des piqûres avec, mais le vrai mot, c'est la seringue. Ah bon, la seringue ? Il a deux écouteurs pour écouter ton cœur. Qu'est-ce que c'est ? Je sais ! C'est le truc du docteur ! Oui, ça s'appelle un stéthoscope. Un stéthoscope ? Presque. Un stéthoscope. Un stéthoscope. Bravo ! Il est petit, il est dur, il donne la température. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est le thermomètre. Eh bien, dites donc, vous êtes très fort. Elles étaient pas faciles, ces devinettes. Au revoir. À bientôt.